chapitre 37. Verset 20, 24. Livre Genèse, premier livre, Ancien Testament. Verset 20, verset 24. On va nous camper. Ça va déranger nous. Genèse chapitre 37, verset 20, il vient à 24. Voici, c'est le premier livre, tout le monde joint. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela et il délivra de leurs mains. Et il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert. Et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leur main pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, et ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Et il n'y avait point de tout. Amen. Amen. Merci, Rav Chita. Et à travers ça, pasteur a sorti d'aller là. Et il était presque bien prêché. Et ça passe à sorti là. Côté dit, objectif là, c'est servir mon Dieu fidèle. Ça, c'est très fort à ça. Nous voyons tout le monde qui a prêché par un autre objectif, c'est faire mon Dieu confiance. Mettez toute confiance dans lui, fidèle avec lui, observez ça la Bible dit. Et je vais vous présenter, parce que tout le monde est déjà reconnu. Pendant que tout le monde est c'est pas vrai. Le bon servant hier, il demande de vous il va vous il va vous. Et non, c'est frère Voltaire, belle fleur. Bon, c'est pas changé Voltaire, pourquoi tu belle fleur, si vous connaissez, il y a tout le monde aime belle fleur. Ok, même si c'est pas moi, mais nous aimons belle fleur. Dans le passage que nous avons mis dans le livre Genèse, le premier livre de la Bible, de l'Ancien Testament, le premier livre de la Bible, baptisé, et Genèse, peut-être, il a signifié le commencement. Et ce premier livre, il y aurait le livre Pentateuch, qui est le premier livre parmi les cinq livres que Moïse écrit. C'est que l'hiver, moi, c'est le problème déjà, c'est Genèse. Et puis, Exode, Lévitique, Nombre de Théonome, qui fait partie du livre de Pentateuch. Maintenant, dans l'histoire, on a pu complot au fait sous un jeune homme, il y aurait les Joseph. Et complot, ça, c'est qui est-ce qui fait? Et son frère qui va le défendre, retourner depuis dans. Jardin Eden, et côté que tu as Adam et Ève qui deviennent enfants de Caïn et Abel. Côté Caïn, pas tuer Abel par jalousie, qui c'est frère lui, il va tuer par jalousie. L'histoire, ça fait nous référer à la même situation. Ça. Côté, nous parlons que frère Joseph, il va faire complot pour tuer. Mais si nous avons été un sujet à travers le passage ça que nous lisons, si j'ai pas plein de bagailles, ça va bon Dieu glorie, si ça va bien. Amen. Mais bien aimé, en pile fois nous quitter la situation côté nous aller, nous ne pouvons pas attendre mon Dieu. Faire en pile bagailles, et puis, quand dit mon Dieu, manger, piment, puis les poids pour marcher, nous ne pouvons pas manger. Martin, vous comprenez? Alors, il nous fait penser que des bagailles qui mal dans le monde là, nous sommes des bagailles qui sale dans le monde là, à cause de notre force. Courage, la foi, espérance, fidélité dans mon Dieu, et puis nous faisons des bonnes bagailles, et puis après nous allons regretter. Côté de nous arriver, nous allons nous arriver. Et bien, ça va développer, c'est ça va bien.
ou pas besoin de quitter, ou même sur la situation, c'est ça, ou bien. À travers l'histoire, ça nous lit là, pour nous voir qui gens que nèg yo fait effort pour jeter Joseph dans cet temps et ceci pour le jeter à travers un songe que Joseph fait et il dit nèg yo pas oublier et Joseph il c'est petit qui mon né encore petit Jacob tu parles de Jacob regarde notre nom encore Israël et puis c'est 12 petits mais pas oublier dans 12 petits ça que Joseph gagné que Jacob gagné, il y a un autre qui fait 13. Mais puisque dans le temps passé, on a toujours compté plus ou moins garçon, fille, il n'y a pas tellement compté, mais il était un petit dehors, qui c'est Dina. Amen. Et il était Dina, mais il ne peut pas contrôler parmi les 12 petits, il a compté 12 garçons. Maintenant, Joseph fait un rêve, il a un songe, il dit mais c'est un songe. Non, ce que je fais, moi, nous ramassons une bonne zèp, et fini la bonne zèp, moi, zèp, on a été capable de vous. Et fini, moi, toute zèp, par nous, c'est devant zèp, amenant, divini, il a adoré, mais t'as vu. Au commencement, auparavant, nous avons déjà été jaloux contre Joseph, parce que Joseph, c'est un petit qui fait la vieillesse de Jacob. Nous avons dit, dernier petit. J'étais à l'âge de 17 ans au moment ça. Et puis, tu as toujours une conversation avec Joseph, c'est toujours avec des propos malsains. Dis les paroles parce que tu as une haine contre lui-même. Arrivé au moment que les filles font soin ça, et bien, tu parles un peu plus. Tu dis, eh bien, on ne peut pas chercher nous. Tu as fait un complot pour y aller là, et bien, l'autre bagaille, c'est tué. Pour rêve ça pas réalisé. Joseph va faire un deuxième songe encore. Côté Joseph, dit monsieur, vous faites un songe, on va cette étoile là. C'est pas étoile là, soleil là, avec la lune. Et puis 11 autres étoiles, 11 autres étoiles viennent prosterner devant. Là, la bagarre est plus grave maintenant. Ou te font premier, ou font deuxième qui a la même ressemblance, même si on va dire même bagaille, mais on peut dire même bagaille, là, orgueil, il prend la mission. Pire que nous, il va falloir nous tirer là-dedans. On voulait dire, avec un truc de fric, il y a des chiffres lui. On voulait dire maman, papa, et puis nous, même 11 frères, nous venons en bas, chef, nous allons commander nous. Là, orgueil prend la mission, puis on tire Joseph. Mais bien aimé, m'a dit nos bagailles, et nous allons dire ça. Nous allons dire qu'est-ce qui est bon Dieu. Quelquefois, ce sont des histoires, nous lisons, nous venons de la Bible, nous venons de la Bible. Nous venons de ces histoires, nous venons de l'histoire, nous avons servi bon Dieu pour 6 ans, c'est la réalité. Mais en dedans, nous avons une confiance, une foi, une espérance qui peut faire nous qu'aimer bien bon Dieu. Maintenant, nous prenons Dieu tellement pour nous jouer, nous servir les lèvres ouvrées, Jean ouvrées, nous agissons Jean ouvrées, nous comportons nos Jean ouvrées. Nous n'avons pas de fondement dans la croyance. Mais quand nous sommes dit là, ça vous développe, ça va bien, il faut être dans mon Dieu. Il faut être dans la fidélité. Dans Somme 37, verset 4, il dit fortifie. Dans verset 5, il dit. Recommande ton sort à l'éternel, mets à l'état de confiance. Et il agira. Dieu n'a pas agi. Peut-être Dieu est capable de surprise pour vous. Ligue un objectif pour vous. Ligue un but pour vous. Mais il faut vous même avoir la possibilité pour l'atteindre. Si vous avez la possibilité pour que ça, Dieu veut faire pouvoir, il est capable de vivre dans vous. Au commencement, ça y est, c'était un roi qui t'a fait un charbon Dieu. Il veut désobéir. Ça y est, perdu au royaume. Non. Maintenant, puisque monsieur fait comme pour tirer Joseph, il dit bon, nous pas tirer. Mais pas oublier, il y a Ruben qui remet en pile, qui a un amour pour frère, il va venir tirer, elle n'est pas capable de clair pour lui dire monsieur, pas tirer. Il dit pour ça, t'as servi, nous sommes tirés. Il n'est pas bon pour nous verser sang. On nous l'a gagné dans la cité, mais tout ça, la vie a son moyen pour sauver
la vie Joseph. Mais quelle situation Dieu va l'utiliser pour sortir dans une situation là? Si vous n'avez pas de compréhension, vous n'avez pas de cet esprit, pas de confiance dans mon Dieu, pour dire, quand vous n'avez pas de dire, j'ai passé le passé, dans mon Dieu, ma pété. Ma pété grâce à la vie devant. Ou il fait une situation, pas qu'à supporter, ou dit, bon, je vais vague. Mais puis devant, vous n'êtes pas capable. C'est même avec l'histoire de quoi, souvent quoi, ou coupé quoi. Lorsque vous venez dans le bloc traversé, vous n'êtes pas capable. Lorsque vous venez dans le bloc traversé, vous allez mettre prêt quoi à l'autre bord, pour que vous ne vous pas passer sous lui, ou dire, vous coupé le tout à vous. Mais c'est la vie de Joseph. Joseph était fidèle. Et nous, on prend le que Dieu levé Joseph. Et Joseph prend le rayé sous 11 petites saoules, sous 13 mounes saoules, c'est maman, papa, et puis 11 frères. Mais Joseph était dans la fidélité. Il y a quelques situations trouvées, c'est où Dieu a fait avec. Il faut que vous puissiez vous supporter. Il ne faut pas faiblir pour les bonnes bagages. Pas dire pour pécher parce que nous, c'est pécheur. Ce n'est pas ça, me dit. Personne n'est pas fait. Parce que personne n'est pas fait. Je ne parle pas de son péché. Il fait autre. Son père parle, il fait. Mais ils font l'autre. Mais, bon, différence, l'aime tomber, mais il fait. L'aime a toujours c'est pour être fidèle à bon Dieu. C'est pas dire que tout le monde péché. L'aime dit pas péché, c'est pas vous. Il faut péché tout. Chrétien péché, pas accident. C'est pour un péché programmé. Vous dites, je vais faire tel bagage, bon Dieu va retirer ma situation. Bon Dieu va pardonner après. Au grand jamais, péché, péché qui prépare, on me dit, je vais faire tel bagage, c'est sûr et certain, on va mettre tout, on ne va pas sortir. Parce que chrétien péché par accident. Péché, pour chrétien péché sans vouloir. Son bagage qui me parle et fini, bon, il va se même faire. Et bien, les reprendre Joseph réellement, il a gagné la citerne. Maintenant, pendant Joseph dans la citerne, il y a un qui dit, mais l'autre nation finie, qui est en Égypte, qui a porté Aromat, en pile bagaille, l'or, il a porté, à nous vendre avec lui. Et puis il a fait un corps pour nous verser sans nous tuer. Il a écouté lui. Israël. Il a retiré, il a vendu pour 20 pièces d'argent. À l'autre nation pour l'esclave. Mais peut-être que ça m'a dit bien, à l'autre nation pour l'esclave, il y a un monde qui est vendu. Maintenant, Joseph, il prend la avec lui. Joseph parle grandi quand il y a dans le palais royal. Vous avez dit que Joseph sorti. Il parle grandi dans le palais royal. Il dit Joseph, son nez qui est sans royal parce qu'il grandit dans le palais royal. D'après tout ça fait Joseph, Dieu va lever Joseph. Joseph va devenir premier ministre du roi. Et Joseph, pardon, grand bout de tomber en Israël. Maman, papa, va quitter Israël, il va le démanger. Qui côté, quand Joseph et Joseph va le quitter. C'est pour vous sentir que l'air Dieu dit la paix pour vous, ça le lier à celui qui a privé. Mais au grand bagage pour faire, c'est la fidélité. Jean le pasteur a sorti là, la fidélité. Dans n'importe quelle circonstance, je ne peux pas élever. Dans n'importe quelle circonstance, je ne peux pas lâcher. C'est la décision et puis vouloir, objectif pour arriver. Même si je vais aller à la médecine, je vais tomber pour le travail là, et bien, j'ai un objectif pour me servir mon Dieu. J'ai un objectif pour me respecter la Bible. Ce n'est pas fautif ou pas fautif. Mais j'ai un objectif pour arriver. Moi, quand pile monde vient au Brésil, il n'y a pas de visage. Il n'y a pas de pile misère pour entrer au Brésil. C'est des objectifs là ça. Parfois, mon apprenti sale gagnant, celle bien de Haïti, elle dit bon, ça va pas comme moi, je m'en vais au Brésil, je m'en vais au Brésil, je m'en vais au Brésil. Ça, c'est objectif pour arriver au Brésil, malgré tout, pas un peu de passer dans le monde. Les prendre, les prendre, les valises, pour objectif au Brésil, va venir. Mais les chrétiens, tout ça, le seul objectif pour gagner, c'est bon, je m'en servir dans le ciel mal. Quelque chose à la situation, je vais faire fidélité. Et maintenant, bien aimé, l'état de l'histoire de David, nous connaissons. Selon 1 Samuel 19, Saül fait tout ça pour qu'on pour tuer David. Tandis que David va devenir roi. Mais par des bon Dieu, toujours mettez un bagage sous autour qui pour comme délivrance. Bien Jonathan comme le fils de Saül.
Il s'est un bon ami avec David. Et par le plus malheur de David, lorsque papa prend une décision pour tirer la vie David, Saül prend une décision pour tirer la vie David, il est en train de David, il dit ça. Mais tout ça arrive qu'on est là, c'est bon bien. Puis quand pense, je dis à la m'observe mon Dieu, je ne parle pas de grand groupe. Comment on va de grand groupe? Je m'observe mon Dieu, je ne parle pas de douleur avec le bac à guérir. Comment le bac à guérir? Je m'observe mon Dieu, je vais voyager, je ne vais pas voyager. Comment? Ça c'est objectif, pao! Ça c'est volonté, pao! C'est désir, pao! Mais dernier mois, dans mes bon Dieu, nous allons aussi la beaucoup. David, il veut le moment, il va le marron, il va le cacher pour sa huile. Et qui est-ce qui veut le cacher? Petit Saül là, même c'est Jonathan pour David caché parce qu'il va pas dire. Et quand il voit David caché, c'est dans le même lieu ça, il va converser avec Saül, qui c'est Jonathan va converser avec papa de Saül pour faire papa t'a détourné sous mauvais de ce quelqu'un qui s'est retiré la vie David. Après, Jonathan finit par avec David, avec papa de Saül, Saül prend décision pour ne pas tuer David. Parce que David, c'était une bénédiction pour Saül. Depuis qu'il a été en bataille, Saül toujours voyait David et Philistin ont toujours perdu. Parce que David toujours là, il n'a pas gagné, il n'a pas perdu la bataille. Et puis, c'est David ça qui prend le roi. David, Saül, ça va tomber dans David. C'est ça que vous comprenez le matin. Hein? Bon Dieu, vous voulez vous dire. Mais pas quitter le mauvais moment final avec vous. Qu'aimez la fidélité. Nous avons un grand Dieu qui connaît toutes choses. Il sait comment de nous délivrer. Il connaît comment pour retirer nos situations que nous avons. Il connaît, mais faire confiance. Moi, je dis ça, ce n'est pas un bon Dieu qui joue à servir. Non, il n'est jamais trop tard pour mon Dieu. Pas jamais trop tard. Dieu qui a agi à l'époque, le moment de l'heure, les gens de l'heure. Pas que monde qui vous dit bon Dieu, je l'ai arrivé. Ou même jeune garçon qui prend une pause, je dis, peut-être pas de travail, qui l'a fait pour un vacabou. Qui a une réparation. Qui prend un style qui va pour vous, qui a une réparation dans mon Dieu. Ou même jeune fille qui est passé 5, 6 garçons. Parce que la situation est mal pour vous, je l'ai fait tout. Vous êtes capable de la manger, vous êtes capable de faire un soulier, belle robe. Jusqu'à présent, elle n'est jamais trop tard. Dans le temps passé, on t'a fait. Pas de beaucoup contre Christ, mais le moment actuel, on a Christ qui est là. Nous avons un monde qui a tout besoin, même si la situation est dure, l'épaule a pour corriger, c'est tant. Nous n'avons pas de raison pour nous descendre tête devant le monde. Nous n'avons pas de raison pour nous faire ça. Parce que nous avons un grand Dieu qui a veillé sur nous. Jour et nuit, il a veillé sur nous. En par exemple, la jeune Esther, une jeune fille juive. Et puis, côté jeune Esther, pour elle devenir reine, après la division du royaume Israël qui divisait en deux, côté Jéroboam, à Roboam, deux messieurs saillants viennent diviser Israël. Côté Jéroboam, qui c'est petit Nebat, il prend une partie dans Jérusalem, qui c'est Jérusalem. Et puis nous avons Roboam, qui c'est petit Salomon, il prend une partie sud là, qui c'est Juda. Il y a une division. Puisque schisme, ça a été fait, Israël est divisé en deux royaumes. Maintenant, il y a une partie qui vient tomber en Babylone. La reine Esther vient tomber en Babylone, vous n'y a là. Il y a un roi Suisse qui a dirigé tant que roi. Il y a la reine Esther qui a un nom comme Madoché. Qui levait en bas éducation Madoché. Formation Madoché. Pendant la reine Assyrie, roi Assyrie a cherché une femme qui pouvait venir madame ni. Après la reine Vatis, il va le voir aller Vatis. Et puis maintenant, je crois que le fait là, Madoché, non, reine Esther, il choisit lui. Il sélectionnait n'a pas mis toutes filles à choisir. Comme Esther, c'était une belle famille. Ou apparaît l'autre monde pour le prendre. C'est la reine. Ou bien le pauvre qui était
Esther va bien, non? Sans maman, sans papa. Tout le monde, ils sont orphelins. C'est la reine Esther, et il vient madame Wa, il devient reine. Et c'est Esther ça qui va avoir une grande bénédiction pour Israël. Il va retirer le peuple Israël en Babylone. Côté Amman, pour aller chercher moyen pour faire Mardochée prosterner devant nous. Bien-aimé, c'est la fidélité. Vous mettez tout le Bible, vous ne pouvez pas faire un monde qui progresse sans la fidélité. Libre, qui est ce monde, Dieu est béni sans qu'il n'y ait pas de fidélité. Toutefois, on a coquin avec bon Dieu connaît. Parce que dans Galatie, il dit qu'il n'y a pas de monde qui a trouvé mon Dieu. Si on pense qu'il n'y a pas de trouver mon Dieu, c'est tel qu'on passe en bêtise. Il n'y a pas de monde qui a trouvé mon Dieu. Quand belle regarde des sous, ou belle veste habillée, bagaille, histoire. Ou quand elle veste à son moment-là, une chemise à chine, il m'a tiré là, il plaît tout, il chine sur moi. Bah oui, ça veut dire. Pas de monde, je vais tromper moi-même qui là, je vais tromper vraiment l'eau, je vais tromper le comité, je vais tromper l'église là, mais en vérité, Dieu m'a tromper. Jour de découvrir, je vais sortir mal, honte devant la société. Parce que la fidélité, c'est ça qu'on crédit. C'est la fidélité. Pas obéir pour les petites têtes, pas faire pas des seules têtes pour les petites bagailles. Je dis à, ou pourquoi travailler? Oui, j'ai un vagabond, moi ça vagabond. Mon jeune garçon, je t'en baille, fais salier avec vous, parce que vous pouvez travailler. Tiens, je pas là. Où t'es qu'à faire dans le temps passé, parce que t'es dans le monde là. Parce que tout le monde qui est dans le monde là, nous sommes capables de dire que nous avons fait loi. Mais pour nous, même nous avons lumière. Et chaque fois qu'on fait bagaille mal ça, où est-ce que lumière qui est dans le monde comme magie? On fait, on dit qu'il y a l'église. Et bien, nous savons qui dit l'église là, mais ça c'est tel père, mais ça fait tel père. On fait critiquer la lumière. Ou bien il s'agit d'une opportunité pour pas venir. Tandis que ou déjà là. Jésus-Christ, il s'est pied bois. Il s'est pied bois, nous-mêmes, nous sommes branches. C'est sûr et certain, nous connaissons bien tout pied bois. Toute branche qui paraît dans le pied bois, nous devons mourir pour nous. À nous connaître bien. Parce que la racine principale, là, même par contre, c'est la racine pivotante. Qui est bien pied bois. Depuis, branche a sorti la donne, il y a des pièces nourriture capable de encore, pièces de vitamine capable de venir encore, mais c'est mourir pour mourir. C'est dans la même manière, tout le monde qui dit on a un bon Dieu, qui parle de dans bon Dieu, le moment où aller, c'est déception totale pour nous. Mais bien aimé, ce sont des histoires vraies, ce n'est pas une histoire pour nous capable comme si c'est écrit ou écrit. Bon, qui est ce monde qui a une tête pour écrire une histoire comme ça? Sans Dieu, pas d'exister, oui. Moi, toujours, depuis ma prêche, je me toujours dis ça. Fais analyse de la nature, fais analyse de vous-même personnellement, et finis, où est-ce que Dieu va exister, oui. Je me toujours dis encore, il y a un monde qui est dans mon Dieu, ou qui est plus gros, qui est placé dans le plan, mais il faut gérer. C'est même genre un monde qui est une machine, et finit, pas contre une machine, il prend un bon écrasé dans le colbosso, peut-être même lui qui a perdu la vie. C'est même genre tout. L'homme qui est mon Dieu, pas prendre bien selon sa vie, pas prendre en lui, on peut toujours dire, lui pas existe. Même toujours dire, lui, Dieu qui est surprise pour chaque monde, pour chaque chrétien, mais il faut attendre le bon là. Il ne faut pas t'empresser. Et toutefois, toi pressé, on prend un obstacle pour m'en aller. C'est plus devant à connaître. Parce que Dieu, il n'est pas jamais pressé. Quelquefois, le pressé tout. Quelquefois, non. Si vous avez un bagage, vous avez un bagage, vous avez un bagage, c'est un bouton. Parce que quelquefois, il y a non, quelquefois, il y a oui, quelquefois, tout cas, futur. Tant. Vous avez un bagage, vous avez un bagage, bon, ça va bon pour papa. C'est tant. Ou car, après vous avez un bagage, vous avez un bagage, vous avez un bagage, vous avez un bagage, tout. Il dit tant. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 50 ans, tout. Ça me dit, c'est des bagages. Il ne faut pas trop préciser. C'est tant de bon Dieu qui met la fidélité. Oui, ça passe à dire, on te dit, mais on va bien le prêcher encore. Si ça passe à dire, nous qui met la tête, mais ça va bien prêcher encore. Parce que quand on va le prêcher, il va dans le bagage, c'est la fidélité. C'est tant de bon Dieu agit pour vous. Pas pour y vendre jeunesse, pas pour y vendre vie, pas pour y penser des sociétés qui ne peuvent pas se porter, qui est à la perdition. Il va prendre l'autre côté qui est dans la prison, il va prendre l'autre côté qui est dans la bataille.
Là, c'est sûr et certain, pas qu'à gagner bataille. Là, à mi-temps là, pas qu'à gagner bataille. Même si nous n'avons pas contre avec vraiment nous, on a résolu. C'est sûr et certain, on a résolu. Nous n'avons pas arrivé dans la bataille, nous ennemis. Alors, ça existe dans l'église. Ça existe parce que dans l'église, il y a toutes sortes de monde. Il y a toutes sortes de monde. Quel monde, c'est pour bagailler l'église là. Si on bagaille, on a intérêt à l'église là, on cherche un intérêt. Si on n'a pas d'intérêt à ses frères, on empêche de jouer l'intérêt à elle-même. Mais pour nous-mêmes, qui servons pour des fidèles, si on ne va pas marcher, nous résoudons. On va mettre un bagage nous résoudre parce que nous ne pensons pas comme intérêt dans nous-mêmes. Intérêt, nous, c'est servir pour des fidèles. Intérêt, nous, c'est bénédiction bon Dieu. Il va pas intérêt dans mes personnes. Mais bien aimé, si nous sommes Joseph Rivé, premier ministre en Égypte, promesse pour Dieu, c'est vérité. Pas qu'un jouet là-dedans. Mais bien aimé, m'a dit une bagaille. Tout ça m'a dit nous là, m'a dit parce qu'on va jouer dans le job d'aimer. Bon, j'ai pas de job, quand même, faut manger pour vous. Pas qu'un matin dans ça. Tout ça m'a dit nous là, m'a dit que vous devez jouer dans bon mari. Vous devez jouer dans le bon mari, mais vous devez jouer dans le bon mari. Parce que quelqu'un qui va convertir, il va battre madame, il va coûter le nom. Il va prendre deux femmes sur lui, il va prendre deux femmes sur lui, il va faire ça. Ok? Ou qu'à jouer lui. Nous même aussi garçons, ou qu'à jouer nos bonnes filles. Mais tout ça dans la fidélité, tout ça, ce sont des bénédictions qui étaient derrière la fidélité, c'est servir Dieu totalement pour conduire jusqu'au bout. C'est ça mon prêché. Nous ne pouvons pas prêcher. Oh, bon Dieu qui a fait miracle, bon Dieu qui a guéri, ça, nous comme ça. Dieu qui a fait tout. Si bon Dieu fait ça, il a fait un petit à 29 ans. Hein? Bon Dieu fait Adam et Eve 930 années. Je ne parle pas là, comme toujours dit, est-ce qu'il est petit? Il est petit. Vous comprenez combien de temps il est marié? 21 ans. Marié 23 septembre 99. En fait, il est pas petit. Si bon Dieu fait un petit, il n'est pas petit. Je vais décourager. Est-ce que je vais mettre une gloire pour lui? Mais moi, avec la foi, s'il veut bon, moi, il est carrément. Mais si je vais mettre une gloire pour lui, alors l'objectif là, c'est la fidélité. Parce que la volonté de Dieu, pas que les gens qui font la volonté de Dieu, pas que les gens qui font ça, Dieu veut pour vous, ou pas qu'on qui est Jean Dieu pour traverser avec vous, ou pas qu'on qui est l'avenir, vie ou pas qu'on aime. Les gens qui font l'avenir, c'est Dieu. Demain, si Dieu ne veut pas qu'on qui connaît, ça ne va pas arriver. Par contre, on dit qu'on est, qui ça parle, parce que là, il y a un chaisier, il y a un minute de la reine, pas de rien. Et bien là, il y a un chaisier, bon, bon dommage, vous savez. Le futur, personne ne va connaître, c'est Dieu qu'on est. C'est pour ça que nous devons être dans la volonté de Dieu, la fidélité, ça c'est la racine principale là, qui pour cause chrétien arrive jusqu'au bout. Pendant ce temps, on a dit jusqu'au bout, c'est pas parce que Joseph est arrivé premier ministre, c'est pas ça qui est important. Ce n'est pas parce que David vit nous, c'est pas ça qui est important. Mais il aurait été fidèle à bon Dieu jusqu'à yon mourir. L'autre bagaille a besoin, c'est Dieu qui va choisir pour nous. Un besoin belle caille. Dieu, comment besoin belle caille, c'est pas dans la vie. D'avoir dit, David dit beaucoup de gens, mon gars, marcher devant mon Dieu, il était à terre. Ni petit lit à moi déjà. Et c'est sûr et certain, la Bible a boué si vous n'avez petit Jacob de déjà. Comme nous dit Abraham, c'est descendant. Dieu qui est en pile, mon d'accord. Et toi, les petits, regardez quoi c'est une déjà. Exactement, déjà, vous avez joué qui pis maintenant, mais qu'on est désolé, mon Dieu. Parce que David dit, on juste. Même petit déjà. Ça veut dire que votre esprit, pré-essentiel là, c'est faire votre confiance, c'est vivre fidèle dans le bon et mauvais jour. Et je ne vais pas faire l'autre message, je vais me faire l'autre prière, je vais me faire moi-même, c'est pour ça que je prie, je vais vous dire que je suis fidèle. Et madame, là, rendez-vous, si je me dis, bon Dieu, bon petit, je vais me faire petit, je vais me faire petit, passer bon Dieu même. Besoin. Mais c'est Dieu qui va me faire, est-ce qu'il a bon moi? Ça, c'est volonté, pas moi. Est-ce qu'il est volonté, mon Dieu? Vous savez bien, mais ça essentiel là, je fais mon ange aujourd'hui, et je mourir. Ça essentiel là, tout, je vais faire éducation. Ça essentiel là, pendant que je vais faire là, je vais mourir. Mais si c'est Dieu qui va dire, non, je ne vais pas danger ça. Non, je ne pas danger. Pas que danger, la bien fait, la bien passé. Vous comprenez, ça c'est bon, Dieu qui va dire. Mais pour ça, c'est important, c'est
la volonté de Dieu pour Dieu préparer pour le grand jour glorieux. Ça, c'est une richesse des chrétiens. Pendant que vous avez une richesse, vous commencez à vivre dans le royaume sans que vous allez dans le royaume. Parce que vous allez commencer à bien marcher pour vous, vous allez commencer à changer pour vous, les gens commencent à sentir vous vivre dans le royaume. Par exemple, les bons dieux, vous allez vivre dans le bon Dieu, vous allez vivre dans le bon Dieu. Matin là, il m'a fait un examen, il m'a fait un ici. Depuis que vous avez commencé à faire un mois là, vous allez vivre dans le bon Dieu. Parce que depuis que vous avez adoré, vous avez un gros sapin. On est pas bienvenu. Et pas bienvenu, pas bienvenu. Ouais, l'embéni, c'est tout moi-même, c'est comme si le livre là ouvert devant, et puis m'a préparé tout ça, me fait bon Dieu, puis de bagarre. Ouais, livre là ouvert devant, et puis tout ça fait pas bon, tout ça fait, depuis l'antiquité, tout ouvert devant, ouais, bon Dieu qui paraît, tout est l'âge devant, c'est devant, propre devant, pour vivre conservé avec les bénis, le roi c'est comme nous. C'est ça, c'est bénédiction, mon Dieu, sur vous. Si vous n'êtes pas apparu sur nous, vous pouvez être maudit. Ciao. Ciao avec tout ça qui va préparer. Mais bien aimé, pas que notre bâtiment. À travers chapitre ça, nous lisons Genèse. Il montre la grandeur de Dieu, le monde était fidèle. Je ne vais pas voir l'histoire de Joseph. Comment Joseph est arrivé premier ministre? Toute attaque que fait sur Joseph, Joseph par contre, pas succombé. Côté Madame Potiphar, elle arrive la caille Potiphar, qui c'est roi Potiphar. Joseph fait, Madame Potiphar fait toute bagarre qui a couché avec lui. Joseph dit c'est grand jamais, pas qu'à faire Madame roi. La fidélité. Le pas qu'à prendre vrai, ils font genre, m'abdomen, m'abdomen, m'abdomen. Prends la radio pour les poumons. Et puis tout mettre sur Joseph. Joseph pour lui qui te regarde. La fidélité. Si c'était moi qui t'ai tout dit, hein, j'ai Madame Waoui, oh, belle relation, j'ai des belles relations, Madame Waoui, il m'a fait saleté, il m'a fait aider, il m'a perdu prestige, il m'a dit, mon Dieu, il m'a dit, c'est ça, m'a fait comprendre, c'est la fidélité pour m'a gagné, mais c'est le fait que mes pieds, mon Dieu, droit, pas quitter grand pour vous aller, pas quitter tout le monde pour aller, pas quitter pas qu'à payer pour vous aller, c'est faire, mon Dieu, confiance. Hein? Dieu sait de quoi nous sommes formés. Qui nous sommes poussière. Bon Dieu connaît les besoins de tout. Hein? Bon Dieu connaît tout besoin de tout. Et ça fait dans son milieu de vie, il fait nos petits cales inférieurs à nous. Dieu connaît de qui ça nous promet, c'est poussière que nous sommes. Bon Dieu connaît nous fait matériellement, il faut mourir. Faire confiance, ouais, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous. Je ne peux garantir faire confiance. Combien de nous qui pas jamais d'espoir pour l'avion? Ou des volontaires pour l'avion? En plus, nous avons d'espoir. Histoire Brésil, dans géographie, qui est le lèvre d'abord au Brésil? Quelqu'un qu'on a dit, ou pas, mais quand même, je monte en avion, et même dans l'avion, je me demande est-ce qu'il est-ce qu'il va pas monter bagage à pareil ça, qui est en l'air, pour demain, passer tout pour nous la donne. Pour moi, c'est un mystère. Vous comprenez ce que je dis là? C'est pour comprendre que Dieu connaît au bout de la faveur, tout le monde qui arrive, mais on ne peut pas connaître. On ne fait bon Dieu confiance, mes bien-aimés. On fait mes fidélités. Mon foi, ça, bon Dieu, c'est ça. Mais on fait la fidélité. On passe quitter pied bon Dieu pour le petit bagaille. Bon, madame, non, il veut la gueule, ils font des ordres ensemble avec vous. Les enfants, là, leur fils, ou quand on a leur fils, ou pour lui, pour me faire le web, et va te servir. Eh bien, ou même garçon, ils font bagaille, ou dit, bon, ma petite fait des bagailles, ma balle coupe, beaucoup. Pour un brésilien, qui dit aux amis, fille, elle là, ma mari, de font coup, font coup. Elle ça. Qu'est-ce que ça dit? Marie me fait mon coup, me fait mon coup. Tout c'est pareil. Mais bien aimé, chrétien, pas comme ça. Chrétien, c'est qui dit quitter Dieu agir. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Madame n'a fait pêcher lui, s'il n'a pas repenti, la paix ça dit sur lui. Et ceci, il a même payé même avant la mort. Parfois, tu vas même ton meurtre. Appelle le capitaine avant la mort.
mais c'est pas ou pour agir avec lui, pour aller perdre grâce ou vous venger. Parce que dans Romains, chapitre 12, 17, il dit, ne rendez à personne de mal pour le mal. Puis Balbal dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution de mes chiens. Ça n'a rien pas dépendre de lui. Bien aimé, en fait, Dieu confiance. Unique espoir nous gagner, c'est Dieu, les chrétiens, enfants de Dieu. Espoir que nous gagnons, c'est vivre pour Dieu. Et c'est sous pas mon, on ne peut pas garantir pas mon, vivre pour Dieu, on va sortir mon. On va sortir quand bien même, victorieux, dans toute angoisse, dans toute difficulté pour arriver, on met tant, on va sortir quand même, faire Dieu confiance. Pas faire des valeurs, pas jeter des valeurs. Pas marcher tête baissée devant le diable. Camper diable. Pas ébranler pour situation. Camper diable. Prends la Bible comme boussole. Prier. Tout ton cas, prier matin, midi, soir. Rester fidèle à mon Dieu. Et depuis nos réunions dans l'église mystérielle, rester nous ça clair, c'est la fidélité. Rester fidèle à mon Dieu. Et pas que l'autre solution encore. Si vous ne pas fidèle avec mon Dieu, vous commencez à vivre, vous avez bien mon ouais, vous avez toujours ouais, Dieu n'a pas existé. Parce que le pape marche avec vous, le pape servi avec vous, vous avez toujours dit qu'il n'a pas existé, vous n'avez pas besoin de grandeur ligne, autorité libre, et non pas besoin de écrire dans le livre de la vie. Parce que vous êtes infidèle. Bien aimé, pour finir, nous nous rassemblons tout neuf, qui est très vieille, ma cousine. Assemblée ça, tout neuf, très vieille. Il n'y a pas de pasteur. Oui, on dit qu'il n'y a pas de pasteur Frère Mano. Dans les prochains jours, dans l'année qui vient, il n'y a pas de pasteur. Mais pour le moment, nous avons encore un monde qui a dirigé. Comme nous avons dirigé, il y a un bon objectif. Et par nous avons un bon objectif. Seul bagage fait mon confiance. Dieu qui a fait mon. Tout petit bagage qui vient, nous avons besoin, bon Dieu contre tout. Mais bon bagage, nous avons besoin de tout bagage, c'est la vie qui fait champion. Non, Jésus. En nous étant fidèle, en nous étant connecté à ce maître-là, c'est la vie, c'est le chef suprême, jusqu'à ce que nous rendons des soupirs, nous, ou jusqu'à ce que nous mourions. Ou jusqu'à ce que Christ retourne pour nous jouer une couronne, c'est évident de parler matin, qui c'est couronne de gloire, couronne de justice. Ok? Parce que c'est évident de dire matin, là, bien mon débat, c'est non, l'examen fait tout ce grand monde. Sur 100 points, il y a quelqu'un qui fait 50 points. Quelqu'un qui fait 50 points, il n'est pas assez élevé. Mais il n'y a pas même note. C'est ça que je dis. Quelqu'un qui fait 50 points, il n'est pas assez élevé aussi. Mais il n'y a pas même note. Si on place que je vais jouer dans le ciel, il y a peut-être non, regardez. Quelqu'un n'a pas quand même ni même niveau avec. C'est la couronne. Ok, c'est la couronne. Si toutefois vous faites 50 points, vous faites note 5, vous faites note 8. Pas qu'à faire une note. Thank you.